La cassure d'une dalle à Mont-Camba a occasionné, depuis mardi 27 juillet, un ruissellement important des eaux aux abords de ce tronçon de la route nationale numéro 1. Monsieur Abraham, un citoyen soucieux de la protection de la route, a bien voulu donner son point de vue. Le matin, nous sommes passés par ici. On a vu ça très tôt. L'eau est en train de couler, c'est-à-dire qu'il y a une dalle qui a cédé. Il y a un tuyau en dessous. Les eaux sont obligées de ruisseler. Ça pouvait casser le goudron. Les services habilités doivent donc s'atteler à arrêter ces phénomènes. À en croire à les témoignages des populations riveraines, cette cassure de la dalle serait causée par un gros bahut. Et par voie de conséquence, un conduit d'eau souterrain a dû être endommagé, d'où cette fuite d'eau. Or, malheureusement, d'après les spécialistes, l'eau ne fait pas bon ménage avec le goudron. Ainsi, les services de la Congolaise des eaux devrait réagir le plus tôt possible pour corriger ce phénomène.